Yop les tryhards, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War, mais comme tu l'as vu au titre, aujourd'hui on va se retrouver pour quelque chose de très spécial. Je vais vous présenter la manette Burn. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pourtant une manette assez connue pour l'époque des grands frères, hein, pour ceux qui s'en souviennent, la première fois de Monsieur le V12 ou d'autres gros youtubeurs, c'était vraiment une des toutes premières entreprises à vendre une manette à palette. Pour ceux qui ne savent pas, une manette à palette c'est tout simplement une manette ordinaire, hein, tout simplement, sauf qu'il y a deux palettes en dessous. Une palette tout simplement pour appuyer sur croix et une autre pour appuyer sur rond. En fait, quoi qu'il arrive, tu peux quand même appuyer sur croix ou rond, mais c'est tout simplement des touches supplémentaires. Et là, tu vas me dire, mais à quoi ça sert LT de tout simplement avoir des manettes à palettes supplémentaires? Cela permet de tout simplement utiliser ces touches sans forcément enlever le pouce du joystick, ce qui est plutôt assez utile, qui est très intéressant et voire très important, parce que dans certains gunfights, chaque milliseconde est super important. C'est ce qui te permet de pouvoir jump shot et drop shot d'une facilité déconcertante tout en utilisant le joystick droit pour ne perdre aucun shoot. Et ça, c'est super important lors des gunfights. D'ailleurs, c'est pour ça que vous me voyez énormément jump shot et drop shot sur Cold War, parce que c'est super important, surtout quand il y a un skill-based matchmaking et que c'est important de gagner chaque gunfight. Chaque gunfight est important, surtout si vous voulez réaliser la nucléaire la plus facilement sur le jeu. Et du coup, je vous recommande de prendre chez Burn Controller parce que j'adore leurs palettes. Franchement, les palettes sont incroyables. C'est ce qu'on nomme les palettes Spider, en fait, qui sont vraiment comme des pattes d'araignée. Et en gros, bah, vous pouvez appuyer plus facilement, surtout avec moi, lorsque vous allez voir lors du gameplay que je vais vous proposer juste après. J'ai des très longs doigts et c'est vrai que les palettes Scuff me font extrêmement mal. Chaque fois que j'appuie dessus, ça me fait vraiment assez mal. Tandis que les palettes, justement, de Burn me font absolument pas mal et je trouve qu'il y a beaucoup plus de touches possible, enfin la zone est beaucoup plus grande, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de faire ce qu'il faut. Évidemment, pour mettre en évidence qu'une manette à palette est vraiment très important, je vais vous proposer un gameplay en N-cam. C'est la première fois que je propose un gameplay en N-cam, ça veut dire vraiment, je vous montre comment marche la manette, etc., etc. Comment j'utilise la manette et tout ce qu'il faut, comme ça vous allez très vite vous en rendre compte. Mais avant de vous laisser évidemment avec le gameplay, bah n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, hein, si tu veux plus de gameplay sur Call of Duty et tout ce qu'il faut. Et n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, voilà, vous avez cliqué sur la vidéo. Ça montre que vous êtes présent, ça montre que vous soutenez la chaîne et franchement, c'est la première fois que je montre une headcam, en plus avec un gameplay nucléaire derrière. Donc tu connais l'objectif, les 2000 likes en moins de 48 heures, tu connais l'objectif, voilà, t'as cliqué sur la vidéo, lâche ce gros pouce bleu, ça te détend, regarde, tu es calme, etc. Lâche ce gros pouce bleu. Et ça fait toujours extrêmement plaisir, je remercie toutes les personnes qui soutiennent la chaîne YouTube, qui lâchent un gros pouce bleu, qui partagent la vidéo. Merci infiniment. Évidemment, avant de vous laisser avec le gameplay, je vais vous montrer le site de Burn Controller. Si vous décidez d'acheter une manette à palette et que vous en avez envie, vous pouvez utiliser le code LAUGHTED, L-A-U-G-H-T-E-D, pour 5% de réduction. Comme ça, en même temps, bah, vous avez moins à payer, quoi. Voilà, quand il y a déjà une manette à palette, c'est quand même assez important. D'ailleurs, ce que je vous recommande, si vous décidez d'en acheter une, c'est clairement de prendre la garantie parce que c'est super important. Quoi que vous achetez, peu importe la marque de manette à palette, etc., achetez une garantie. C'est tellement important. Vraiment, achetez-la. C'est juste giga horrible, en fait. Oh, lui vraiment, j'ai joué... Ah, dommage. Ça campe déjà à coup de... Comment ça s'appelle, à coup de sniper, là. Sniper encore. Deuxième étage en maison à eux. Fond du spawn. En effet. Putain, je pensais pas qu'il m'attendait quoi. Touché, fond du spawn. Je vais essayer de te sortir la vie, ça te évite. Ouais, je suis en série aussi. Attention, deuxième étage, je le tue. Il est où? Il est monté par l'escalier. Ah mais il est mort. He's dead my friend. He's dead. Oh non, y'a un mec qui campe. Encore un. Y'en a un qui va à voiture mid. Ouais, il est mid. Mort. Il est mort. Ok, tiens, Vissat. Nice. Ça a fait. Vu. Le truc c'est que maintenant ils sont à chaque fois au bac.
Vas-y, on reprend C au pire. Hein. Putain, y'en a un mec, il est ultra vénère. Il est au top. Ouais, ouais. Attends. Ça dégage. C'est pour ça que j'aime bien la machine de guerre, tu vois. Genre, y'a un petit mec qui décide de camper, puis c'est fini. Hein. Eh oui, gros. Après, t'as les gens qui disent ah, c'est pas bien de jouer une machine de guerre. C'est la vie, la machine de guerre. C'est la vie. Oh oh. Non, mais tu viens d'où? Mais. L'allié? Oh putain, vraiment, je suis mort comme ça là. Ça... Par contre, le brouilleur va falloir l'éclater. Mais non, on leur laisse une double peau là. Ok. Non. Pourquoi t'es derrière moi, toi? Brouilleur de merde aussi. Mais tu joues pas avec espionnage? Si, mais leur brouilleur à la con là, tu sais, le. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais quand t'es dedans, tu vois tout le monde quand même. Hein. Fond du spawn. Putain, je balance un drone. C'est encore fond, hein. Bien joué. Qu'est-ce que tu campais dans un corner? Ça spawn de l'autre côté. Ça spawn aussi à eux. Bon, mais mid? Ouais, ouais, je sais, mais je pourrais pas tout faire, quoi. Ah ouais... Mon live est nouveau offline, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon live est nouveau offline. Oh, il m'a... Putain, j'ai failli mourir à cause de la live. On va attendre. Je vais attendre, là je suis trop one. C'est en train de prendre B. Mort sur B. Je peux te dire que j'attends là parce que c'est la fin. Ok. Good. Je suis en bonne série mec. Oh bah moi j'ai nouveau le live qui a crash. Hein. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai l'impression que Twitch n'arrête pas de déconner. Oula. Oula, il nous parle d'érection là, qu'est-ce qui se passe. Ah mais même sans arme en arme, je t'accuse ce frérot, donc reste tranquille. M'en branle. Me raconte pas ta vie, Ah les FR c'est vraiment des rageux sur ce jeu, c'est incroyable. Tu les exposes tout de suite, ils pètent des câbles quand même, c'est impressionnant. Bah, vous êtes pas trempé, casseux. Ils sont tous au fond. Ah, faut qu'ils fassent gaffe de pas trop camper quand même, hein. Tu demandes beaucoup là. Mort. Ça me pète les couilles. Regarde, il est nul à chier. Il a un viseur x3 sur son AK de merde. Ça prend B. Moi, sur C. T'as pas bientôt une vie, ça, frérot? Non, du tout. Mais qu'est-ce que tu fais dans un coin, come on? Oh, ils ont mis un brouilleur. Oh, c'est la merde. Oh, c'est la giga merde. Il y a une tourelle alliée sur... Oh non. Hop là, nucléaire. Ah, il n'y a même pas un GG, d'accord. Je tape la nuque, il n'y a personne qui dit GG. Non, mais d'accord, ok, non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Dites-moi si je vous emmerde, hein. Tout de suite. Attends, hein. Moi, je suis en 14, bro. Je vais la faire. Ah, j'essaie de te débloquer une Vsat alors. Fond du spawn mort.
mais la bière fait trop bien. Ah, l'autre il y tient ces grenades là. Vas-y, prends. Je sais pas qui prend B, mais c'est une bonne idée ça. Même V, Martin. Tu vas mourir maintenant. Non, non, tu meurs pas. T'as un ex-apex, t'as pas le droit de mourir. Eh oui, gros. On leur laisse C. Aussi. Ils veulent reprendre B au cas où on leur laisse B, hein. Ok, ouais. Je pense que. Ouais, ça spawn sur C. Ça va, Martin? Tu t'amuses? Oh. Bah, ils sont en 32-14, oui. Ils sont middle, hein. Il m'a tué en 28, t'as bien joué à lui. Ah merde. En oscope? Mais vas-y, le jeu est nul. Je te jure. J'adore comme tu rages, j'adore. Mais gros, il m'a mis un oscope, putain, on est où? Bah, au cas où, tu pourras lui faire passer un message. Tu lui fais passer un message que moi je l'ai mis la nuque. Ah bah oui, gros, bien sûr. Ah, tu lui fais lui passer le message, là, quand même. Ouais, le message sera passé, gros. Grave, un turn. Oh sérieux, la frappe de napalm là. J'en étais sûr en plus. J'en étais sûr que t'allais venir ici. Oh merci l'invisibilité. Oh, au respawn. Tiens, hop. Au top, au top. Oh non, ils ont vraiment mis un brouilleur là. Non. T'as encore fait vraiment bug la visat. Oh, t'as fait bug avec ça. Mais par contre, les alliés vraiment qu'on a, c'est vraiment. C'est en manque de vitamines, hein, comme on dit dans le milieu. Hein. Ah, j'ai même plus de mun. Ah, tiens, la vitamine C, la vitamine B, c'est important là, messieurs. Faites aucun effort là. Bien vu ça, la Vissat. Non. Tu m'as sauvé, Rin. Putain, j'ai fait. Au gros, j'ai fait un 102 à 9, j'avais même pas vu. Bah écoute, moi j'ai fait un 86-3, mec. Je les ai mais démolis. Avec la nucléaire, hein, quand même. Ah tiens, tiens, d'ailleurs, il est là encore l'autre ou pas? Et puis là, l'autre. Ouais, il s'est barré. Putain, il y avait deux level 400 en fait, hein. Deux bons petits level 400.